danse, chant et jeu. C'est ainsi que ces enfants venus participer à la première édition du Salon de la Petite Enfance ont décidé d'exprimer leur satisfaction. Je suis contente d'être ici parce qu'il y aura les ateliers, les jeux, on va danser et puis on va s'amuser. L'enfant doit respecter les parents, tout le monde au dehors. Ça permet à l'enfant de réussir. Pour les organisateurs, ces enfants ont des droits et des devoirs. Ils ont donc besoin d'amour et de protection. Notre pays a traversé beaucoup de crises et c'est aussi dû à un problème d'éducation, de repères sociaux. Alors si on les inculque aux enfants dès le départ, si on inculque aux enfants le respect du bien commun, l'importance d'aimer l'autre, la cohésion sociale, nous pensons que ça peut nous amener à l'avenir une société beaucoup plus équilibrée, car enfant équilibré égale adulte équilibré. Les parents présents à ce salon encouragent les organisateurs pour l'initiative. L'enfant a une place dans la société, donc on doit mieux s'occuper de lui pour que son avenir soit meilleur. Occasion pour le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant pour sensibiliser les parents sur la place et l'importance de l'enfant dans la société. Durant 3 jours donc, ces enfants pourront visiter des stands, des espaces d'exposition gastronomique et sanitaire. Ils pourront également passer des moments festifs.